Si ce serait juste cette demoiselle m'a dit soit un appel, soit par texto. On va finir ce chapitre aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Enfin, il y a quelques petits trucs, mais ça devrait aller assez vite. On va quand même passer le reste de la semaine à travailler sur plein d'exos de ce type-là pour avoir vraiment fait le tour de tout. Il y a des choses que j'ai mis un peu sous le tapis encore pour le moment. C'est pas très très important et pas très intéressant. Par exemple, le théorème de Rolle, à part le définir, on n'a pas fait grand-chose dessus. Il y a des choses que je veux revoir de début d'année parce que on n'en a pas fait assez à l'époque et c'est rouillé maintenant, ce que j'appelle les suites implicites et ce genre de choses. Donc on va faire essayer de faire beaucoup d'exos après. Alors on va quand même finir le cours, il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut le faire quand même. On était sur la notion d'intégrale. On a vu la formule de changement de variable dans une intégrale, vu que c'est une grosse compétence qu'il faut acquérir. Il y a deux choses un tout petit peu différentes et qui n'ont un peu rien à voir entre elles sur les intégrales pour le reste. Donc la deuxième chose, j'en parlerai peut-être cet après-midi, ou alors tout à l'heure si on a le temps, là je vais plutôt passer en page 14 du poli sur le lien entre somme finie et continue et la notion de somme de Riemann. Alors, l'idée c'est quoi? Et ça a à voir avec quelque chose que vous avez normalement vu en terminale. Et qu'on a aussi rappelé depuis le début d'année. Donc si je vous fais un graphique, si je vous fais une magnifique fonction f, entre deux points A et B. Vous savez que l'intégrale de AB de f de t dt, c'est la surface qui est ici en dessous. OK. Vous avez dû voir, je pense en terminale, si ça a été bien fait, une méthode pour approcher le calcul de ce genre d'intégrale où on aurait la courbe sans avoir à le faire, qu'on appelle, normalement vous avez dû appeler ça la méthode des rectangles. Est-ce que ce mot vous parle ? J'en ai déjà parlé la dernière fois, je m'en rappelle plus que j'ai parlé de ça. Donc imaginons que je refasse le même graphe, mais je vais essayer de mettre des couleurs. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que si vous découpez l'intervalle, alors donc on va plutôt se mettre sur AB ici, mais si vous découpez cet intervalle en plein de petits intervalles, ici, donc ça, maintenant, je vais l'appeler par exemple T0, T1, et je découpe en plein de petits intervalles ici, hop, T2, au bout d'un moment, on est en TK, et à la fin, on va arriver en B, je vais appeler ça par exemple TN, on va faire N plus un point comme ça. On peut calculer cette intégrale de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'en général, on peut dire qu'on a envie de prendre la valeur au point gauche et de faire juste une fonction constante. Et dire, bah, on va approcher la valeur de l'intégrale par la hauteur du rectangle qui est là. Puis ensuite, pour l'étape d'après, on met une croix au niveau du point qui est là et on fait une fonction constante et on approche par le rectangle qui est là. Et vous voyez qu'au point où la fonction est croissante, on approche l'intégrale par en dessous. Mais par contre, si je fais un point où la fonction est décroissante, on va approcher l'intégrale par au-dessus. Globalement, ayant des versions où on est un peu en dessous et des versions où on est un peu au-dessus, ça, plus les pas vont être petits, plus les rectangles vont être petits, plus ça va converger vers la valeur de l'intégrale, la valeur de la vraie surface. Donc ça, c'est très compréhensible, et vous l'avez bien compris, et je pense que c'est pas très très dur à comprendre que cette notion de cette somme de petits rectangles va tendre vers l'intégrale. Maintenant, mathématiquement, ça nous pose beaucoup de difficultés. Alors, beaucoup de difficultés, pas non plus tant que ça, mais il y a plusieurs problèmes. On sait faire l'intégrale d'une fonction. On est en train de dire qu'on veut approcher l'intégrale de la fonction par cette somme de rectangles. Premier problème, est-ce que je pourrais définir, entre guillemets, la fonction, est-ce que ça a du sens de définir la fonction qui serait là? Donc la fonction qui serait la fonction rectangle, que j'ai définie, qui ferait ça, qui sauterait. Alors justement, là est toute la question. Pour le moment, je vais vous faire un dessin comme ça, ce qui va montrer tous les problèmes que ça peut poser. Donc ma fonction, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle fait quelque chose comme ça, à partir de mon dessin à peu près? Est-ce que je peux définir une fonction comme ça? Alors déjà, via mon dessin, est-ce que quelqu'un voit où est le problème d'arriver à définir ce genre de choses? Baptiste? Ouais, ici, au niveau de ce que j'ai tracé comme des barres verticales ici, il y a un vrai problème de définition pour une fonction. Une fonction ne pouvant avoir qu'une seule image, vous le savez, quand je fais un tracé comme ça, je dois faire un choix. C'est-à-dire que soit je fais un décroché ici, et je mets une croix là-haut, soit je peux choisir de faire une croix et de mettre un autre décroché dans l'autre sens. Enfin, à tout moment, il faut que je fasse un choix ou l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Donc,
ça pose juste un problème de convention sur ce qu'on va se donner comme valeur. Mais on pourrait tout à fait se donner le choix de mettre une croix d'un côté et un décroché de l'autre, et ça crée une fonction qui aurait ses valeurs par palier, un peu comme la fonction partie entière, et on n'a pas de problème de construction mathématique de la fonction. Bonsoir. Oui, et comment on calcule une surface en maths? Ah, tu veux le voir comme ça? C'est une super bonne idée. Ah, c'est un super bon, une bonne compréhension de ce que c'est que la surface. Donc en gros, si je comprends bien ton idée, je pense, non, mais c'est ça, hein. Il y a plein de petits rectangles, vous êtes d'accord, de hauteurs différentes. Donc on fait les calculs de tous ces rectangles et on transforme l'intégrale en une surface sur un seul rectangle qui a la bonne hauteur, qui est fait la valeur moyenne de l'intégrale. Ça va être l'idée qu'il y a derrière tout ça. Sauf que cette idée de la méthode des rectangles pour l'intégrale, elle peut aussi nous servir à faire d'autres choses en maths. Donc on veut pouvoir non pas juste approcher la surface, mais approcher la fonction. Donc pour approcher la fonction, on veut une fonction qu'on va appeler une fonction en escalier, c'est-à-dire qui est constante par morceau. J'utilise des mots qu'on va définir proprement derrière. Mais donc vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de problème pour définir cette fonction. Du moment que je mets un décroché quelque part et une croix de l'autre côté, pour la fonction, je n'ai pas de problème pour la définir. Mais le fait de faire des décrochés et des croix, ça me crée un deuxième problème pour l'intégrale. Arthur, vois. Alors, elle n'est pas continue. Alors, sur chacun des segments, par exemple, justement avec le dessin que je vous ai fait là, si je mets en jaune ça, sur ce segment-là, puisque j'ai mis deux croix, la fonction qui vaut cette valeur-là sur ce segment-là, je peux parfaitement définir son intégrale, il n'y a aucun doute. Par contre, la fonction qui est à côté, où ici j'ai mis un décroché et une croix, cette fonction n'est pas continue sur un segment. Puisqu'elle n'est pas continue sur un segment, officiellement, je ne peux pas définir son intégrale. François. Exactement. En fait, cette intégrale-là, puisque vous avez fait un décroché, certes, la valeur de la fonction, elle est au-dessus. Donc, on ne va pas tendre vers la valeur de la fonction. La fonction n'est pas continue. Mais exactement comme tu le dis, François, si je fais tendre un point vers ce décroché, la valeur va avoir une limite, qui est la valeur au niveau du décroché, enfin la même valeur que de la constante de l'autre côté. Donc je pourrais prolonger cette fonction par continuité, et donc j'aurais bien une nouvelle fonction continue sur un petit rectangle, et je pourrais définir l'intégrale de cette chose-là. Bon, bah, si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce que je vous ai dit, c'est compliqué à construire cet objet. Bah, vous avez vu toute la complexité de l'objet, c'est juste, il faut définir une vraie fonction, donc elle ne peut avoir qu'une seule valeur à un endroit, et si elle est ouverte, il faut qu'on puisse avoir des limites pour pouvoir calculer quelque chose, enfin pour pouvoir avoir une fonction continue sur un segment derrière. Bah, si on définit toutes les notions qui ont un rapport avec ça, on va pouvoir s'en sortir. Alors, je vais essayer de quand même afficher le poly, sauf que comme je n'ai pas mis mon ordi à jour, je ne suis pas sûr d'avoir le poly, il faut que je le récupère sur mon site. Ce sera mieux quand même si j'arrive à faire des CTRL-C, CTRL-V. Allons-y. Hop, est-ce que j'ai ça? Firefox. Alors, non, c'est pas ça. Ah, je vous l'ai pas encore mis. Je vous le dis, je vais mettre dans la partie quoi, dans quoi? Dans la partie devoir, non, dans la partie cours. Il y a un prof retraité de CE qui a pondu un livre entier, enfin un livre entier, mais pas un livre, un PDF, mais qui fait 300 pages, d'exo, d'oro, d'HEC, ECE. Et donc pour vous, en fait, ils sont déjà pour pas mal un début d'accessibilité. Et donc je pense vous mettre le PDF en accès, parce qu'il veut que le PDF soit en accès, mais sur le site de la PHEC. Donc je vais essayer de vous le donner en accès moi aussi. Et je pourrais vous donner des références dans chacun des chapitres qui vont suivre en vous disant, bah, à la fin de ce chapitre, vous pouvez traiter tel exo, tel exo, tel exo, et il y a le corrigé avec. Donc, vous pouvez aussi aller voir les corrigés, et ça vous fait une bande d'exos corrigés en plus successives. Et comme ce n'est pas des vraies suites de concours, mais des exos d'oraux, c'est un peu plus court, c'est-à-dire il y a un peu moins de contexte. Donc ce n'est pas les mêmes compétences à travailler, mais il faut que je le fasse. Allons-y.
Donc 2 minutes, je veux mes définitions. On va commencer ici. Alors, si je veux bien relever ça. Et comment je fais pour sélectionner? Ah oui, mais je suis dans machin, ça. Enregistrer sous. Sous bureau, ok. Allez. Il est où le cours? Je vais l'ouvrir avec. Voilà. Maintenant, j'ai ce que je veux. Ça se fait qu'il ne veut pas me le coller, cet andouille. Ok, bon, génial. Bon, tant pis. Je vais faire juste une explication comme ça. Emma qui n'est pas là aura du mal à suivre, je suis désolé. Ça va être assez... je vais écrire des choses quand même. Mais donc, alors... je vais faire un CTRL-Z pour faire effacer ça. Alors... première chose qu'il faut définir proprement mathématiquement si vous êtes en haut de page 14, c'est la notion de subdivision. C'est quoi une subdivision? C'est ce que j'ai créé ici. Quand vous avez un intervalle AB, pour pouvoir parler de ces rectangles qu'on essaye de faire, il faut bien se donner une suite de points où le premier point, je l'appelle par exemple T0, il est plus petit que T1, il est plus petit que T2, et on continue comme ça jusqu'à un point B qui est Tn. Alors, petite subtilité qui va revenir après et que j'introduis ici, on écrit souvent, mais c'est juste un choix pratique, une subdivision comme étant à n plus un point, parce que comme ça, si la subdivision a n plus un point, ça crée n intervalles. C'est le principe des piquets et des intervalles, enfin comme ça, ça crée bien n intervalles et donc n petits rectangles. Donc on crée une subdivision comme ça, il y a deux choses qu'on peut connaître, officiellement, je vous le dis, mais vous allez voir que c'est... Ça me choque que vous soyez limité à ça parce que c'est pas, c'est un peu limitant pour pas grand chose, je trouve. Cette subdivision entre deux nombres, si par exemple je note la quantité T1-T0, c'est ce qu'on appelle le pas local de la subdivision. Il y a une distance entre chacun des points à chaque fois. Donc ce qu'on appelle le pas de subdivision local, c'est ça. Vous n'avez pas à connaître ce vocabulaire, il est hors programme. Moi, je ne dois vous expliquer que les subdivisions à pas constant, c'est-à-dire qu'il faut que pour tout cas le pas local soit un pas delta égale une constante. Alors ça permet de faire réfléchir à ça. Si je veux créer n plus un point T0 jusqu'à Tn entre A et B, comment je fais? Alors il faut arriver à comprendre que le point Tk, comment on fait? Ben, on veut que quand k vaut 0, on soit en A. Donc on va écrire ça en A plus k fois quelque chose. Et ensuite on veut que quand k vaut n, on soit en B. Bah, si on veut être en B en N, il faut faire du B-A sur N en multiplication. Comme ça, quand K vaut N, à A, j'ajoute B-A et j'obtiens bien ma bonne subdivision. Donc, c'est ce qui est marqué dans votre première propriété. Une subdivision TK, la subdivision qui est dite à pas constante, ou subdivision équirépartie, c'est aussi un autre mot de vocabulaire qui est mis au programme. Le point TK, c'est le point A plus K fois B-A sur N. OK. Maintenant que j'ai une subdivision, je peux vous parler du concept de ce que j'essaie de vous dire en partant de fonction qui est prolongeable par continuité et qui est décrochée d'un côté et pas forcément de l'autre. C'est ce qu'on va appeler la notion de fonction qui est continue par morceau. Ça généralise un tout petit peu la notion de fonction continue qu'on a déjà vue. Donc je vais refaire une nouvelle page derrière. Donc c'est encore même un peu plus général que nos rectangles qu'on vient de tracer. Si je vous fais un graphe d'une fonction, alors par exemple, je vais vous faire un graphe comme ça, ça je vous l'ai déjà dit du point de vue théorique, on peut faire ce genre de choses. Alors c'est pas vraiment là, c'est plutôt là que je repars. Je fais ça, puis je m'arrête là, puis je repars là.
Et tiens, hop, ma fonction, elle va exploser, puis elle va revenir ici, donc hop, un petit décrochage, puis elle revient là, elle ressaute, hop, elle explose vers le bas, hop, elle revient. Voilà un genre de graphe de fonction. Est-ce que je peux définir ça comme une notion de fonction? Est-ce que ça a un sens de définir ça comme une fonction continue par morceau? Il y a des endroits oui et des endroits non, et c'est ce qu'il faut comprendre. Avec ce qu'on a parlé avec François tout à l'heure, quand il m'a parlé de notion de limite et de prolongement par continuité, on est bien d'accord que ici, je peux prolonger ma fonction par continuité en posant une croix qui serait là quelque part. Pareil, ici en bas, je peux prolonger ma fonction par continuité en mettant une croix qui serait ici. Ici aussi. Par contre, clairement, à ce niveau-là et à ce niveau-là, je ne peux pas prolonger ma fonction en posant une valeur. La seule valeur qui aurait du sens, ce serait l'infini qui n'est pas un réel. Donc, pour qu'une fonction soit continue par morceau sur un segment, donc si par exemple je me pose ici, si je pose A qui est ici et B qui serait un point ici, sur le segment AB, ma fonction noire que j'ai tracée est bien une fonction continue par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux trouver une subdivision. Ici, qu'est-ce que ce serait ma subdivision? T0, ce serait ça. Mon point T1, ce serait celui-ci. Mon point T2, ce serait celui-ci. Et mon point T3, ce serait celui-ci. Sur lequel, pour chacun des morceaux de la subdivision, la fonction est continue sur l'ouvert. Donc sur chacun des trois ouverts que génèrent ces quatre points. Vous êtes bien d'accord que le tracé est continu sur chacun des trois intervalles ouverts, et en chaque bord de chacun de ces intervalles ouverts, la fonction a bien une limite, dans le sens où elle est prolongeable par continuité sur le fermé, donc chacun de ces intervalles. Donc dès qu'on a cette propriété-là qui est vérifiée, on peut dire que la fonction est continue par morceau. Si maintenant je veux parler de la continuité par morceau sur l'intervalle AC et que je mets C ici, cette fonction n'est pas continue par morceau. Parce que la propriété de limite, d'avoir des limites en bord d'intervalle ici, au niveau de si je devais aller en C, je devrais rajouter un point de subdivision T4 ici, bah au niveau de T4, ça ne marche pas cette définition-là, donc elle n'est pas continue par morceau. Si tu as l'expression de la fonction, tu pourrais, par primitive, par IPP, par forme de référence sur chacun des morceaux. Exactement, on va faire ça, c'est une sorte de châle. Ça revient à faire ça dans une intégrale, c'est un peu la même idée. Alors, juste soyons clairs, d'un point de vue concept, je dois vous introduire cette notion de fonction continue par morceau, ça va même nous servir en proba en fin d'année. En termes de concept, vraiment, il va rien avoir de très compliqué là-dessus. C'est vraiment juste pour que ce soit clair pour vous qu'on construit bien les bons objets proprement, et avec cette construction des bons objets propres, on peut faire ce qu'on a appelé tout à l'heure la méthode des rectangles, et c'est juste ça qu'on va considérer aujourd'hui. Et ce que vous appelez en info la méthode des rectangles, en maths, ça s'appelle une somme de Riemann. C'est juste ça. Mais voilà, donc est-ce que ça va pour cette notion de fonction continue par morceau? On a le droit de faire ça. Bah, donc maintenant, si on sait faire une fonction continue par morceau sur un segment, c'est la définition 24 qui est en bas de page, on peut aussi créer une fonction continue par morceau sur un intervalle. Il faut juste qu'elle soit continue par morceau sur chaque segment de l'intervalle. Bon, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On peut définir, c'est la définition 25 qui est page 15, la notion d'intégrale de fonction continue par morceau, c'est ce qu'on a dit. En fait, c'est quoi la fonction, l'intégrale d'une fonction continue par morceau? Par exemple, si je prends cette fonction-là, ici, juste sur ce bout-là, bah, en fait, c'est une intégrale faussement impropre parce qu'elle est prolongeable par continuité en posant cette valeur-là. Et donc, dès que j'ai la valeur de mon intégrale faussement impropre, je sais que ce nombre existe. Je n'ai pas dit comment le calculer, mais je sais que ce nombre existe. Ah. Donc voilà, on peut définir l'intégrale de ce genre de choses. Maintenant, on va enfin parler on va revenir à notre méthode des rectangles et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, le principe que vous avez compris, que la méthode des rectangles converge vers la valeur de l'intégrale. Donc c'est le principe de propriété des sommes de Riemann. J'ai écrit dans le poly, zoom. Ouais, j'ai écrit la version officielle du programme dans la propriété 25, mais je vais vous parler de ce qui suit parce qu'en fait, des sommes de Riemann, il y en a une infinité. Alors, allons-y, changeons de page. Revenons à dessin. Un peu grand pour avoir un peu de place pour comprendre ce qui se passe.
Je vous redonne une belle fonction sur un intervalle AB. Cet intervalle, je vais le redécouper via une subdivision. Alors, je vais par exemple mettre, je vais essayer de vous montrer que ça peut avoir. Tiens, j'en profite pour dire des choses que je ne dois pas vous expliquer, mais qui, pour moi, vous permettent de comprendre qu'il peut se passer des choses un petit peu particulières. Je vais même, non, je vais pas modifier mon graphe. Mais sur ce graphe-là, typiquement, alors je vais même rajouter un point juste pour vous faire comprendre. Je vais mettre un point T1 ici et ça, ce sera T2. Est-ce que pour vous, quand je vous prends une fonction comme ça, c'est logique de prendre une subdivision et puis répartie, d'avoir des points et puis répartie pour essayer de calculer la surface de cette intégrale? François? C'est en fonction de la vitesse de la fonction. D'accord, quand elle croît très vite, il faut essayer d'avoir une subdivision petite, et quand elle est très enfin, quasiment constante, on peut se permettre d'avoir un gros pas de subdivision. Alors ça, c'est toute une théorie mathématique qui existe pour essayer d'expliquer ça, donc on n'a pas du tout à entrevoir, mais vous voyez, vous êtes capable de comprendre le but et pourquoi elle aurait du sens, cette théorie, sur justement le fait qu'on puisse faire ça à subdivision non constante, parce que ça a plus d'intérêt. Alors, soyons clairs aussi, ça avait énormément d'intérêt dans les années 90, parce que les ordis n'avaient pas de puissance de calcul. Maintenant, votre ordi, plutôt que de faire un, si vous devez faire un pas, je vais dire, de 0,01 au moment où c'est très rapide, bah, dans ce cas-là, quand c'est lent, vous faites aussi un pas de 0,01. Votre ordi, maintenant, il est quasiment capable d'encaisser n'importe quelle puissance de calcul pour faire ce genre de choses sans trop râler. Donc, cette théorie n'a de sens que quand on a des capacités de calcul limitées. Ou quand calculer, évaluer la fonction en un point prend un temps très très long. Mais bon. Vous comprenez le concept, c'est juste pour ça que je vais vous montrer qu'on peut ne pas faire des pas constants, c'est-à-dire que je peux placer mon pas T3 ici, T4 il pourrait être là, et là comme ça monte un peu plus vite, je pourrais essayer de prendre des pas un peu plus petits, T5, etc. Donc au bout d'un moment, bien sûr, je serai en TK, et à la fin je serai en TN, le premier point étant T0. Et je peux définir mon rectangle à partir de la valeur qui est là. Donc la valeur qui est là, on est bien d'accord que c'est F de T0, ça me crée un rectangle. Par exemple, je choisis de le construire comme ça, mon rectangle. Le rectangle d'après, ici, il est construit à partir de F de T1 comme valeur. J'ai pris mon point K quelque part ici, ça c'est fait en F de TK. Est-ce que quelqu'un peut me donner, alors il manque un petit truc dans mon dessin, ouais, c'est un peu mal fait mon dessin, j'aurais dû faire un petit peu plus de points, bon, tant pis. Si je vais zoomer un petit peu, je vais refaire un petit dessin zoomé de cette partie-là, à côté. Ah, donc j'ai ma fonction qui fait ça en gros, j'ai mon point TK qui est là, j'aurai le point derrière qui est le point TK plus 1, et ce que je dis, c'est que j'approche ma surface, ce petit bout de surface, par la constante ici, ou ici en bord de domaine, je mets F de TK. Et donc j'approche ma surface par la surface verte qui est là. Est-ce que quelqu'un peut me donner la surface verte, la valeur de la surface verte, de la petite surface verte d'un rectangle en gros? Alexis? Exactement. Donc on est d'accord, c'est juste la surface d'un rectangle. Et il n'y a même pas besoin de réfléchir en termes de pas constant ou pas pour avoir la valeur de cette chose. C'est juste vraiment de la logique pure si on découpe une intégrale en rectangle. Donc maintenant, vous êtes d'accord que ça, c'est un des rectangles. Puisque j'ai mis n plus un point, je vous ai dit, il y a n intervalles, donc il y a n rectangles. Bah donc, ce qu'on peut écrire, c'est le résultat de convergence des sommes de Riemann, c'est que la somme pour k égale 0 à n moins 1 des f de tk fois tk plus 1 moins tk, bah ça tend, quand n tend vers plus l'infini, donc quand le nombre de rectangles tend vers plus l'infini, ça tend vers l'intégrale de A à B de f de t dt. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, Manon? Alors, c'est ce que j'ai dit à l'oral, tu vas de T0 à Tn, tu as donc n plus un point. Si tu as n plus un point, tu as n intervalles. Puisque je base tous mes calculs par rapport au point à gauche. Donc mon premier rectangle se base sur f de t0, mon deuxième rectangle sur f de t1, mon dernier rectangle va se baser sur f de tn-1, parce que c'est à gauche du dernier rectangle.
Ah, donc la somme va bien de 0 jusque n-1. Voilà pour cette somme. Alors, juste, on va faire le... Encore une fois, vous n'avez pas à connaître ça, mais on va on va faire un cas particulier très simple. Vous n'avez à connaître ça que dans le cas équiréparti. Dans le cas équiréparti, je vous ai dit tout à l'heure que le point TK, c'était A plus K fois B-A sur N. En fait, ça permet de dire un truc très bête, c'est que TK plus 1 moins TK, l'écart entre deux points, bah c'est la... En fait, on divise l'intervalle AB en N intervalles de même longueur. Bah donc la longueur T-1 moins TK, c'est juste B-A sur... Oula, je ne sais pas ce que vous voulez faire. B-A sur N. Donc maintenant, j'ai mon écart TK plus 1 à TK, et cette somme, je peux la réécrire comme ça. Ça devient la somme pour K égale 0 à N-1 des F de A plus K fois B-A sur N fois B-A sur N. Et cette somme-là, elle tend quand N tend R plus l'infini. Toujours, c'est juste une traduction vers l'intégrale de AB de F de T dt. Alors, si vous regardez ce que j'ai mis dans le poly, il y a une toute petite différence entre ça et ce que j'ai mis dans le poly, parce que tout simplement, le terme que j'ai mis dans la somme derrière, en remplaçant le TK plus 1 moins TK B-A sur N, ne dépend pas de K. Il peut donc passer devant la somme. C'est juste ça. Simon ? Une question, calcule l'intégrale, mais avec des réponses à l'excès. Tu veux dire avec la borne à droite, plutôt, parce que là, ouais. Alors, quand vous avez parlé, si vous avez fait ça en terminale, notamment parler de par en dessous et par au-dessus, c'est quand, par exemple, vous prenez l'intégrale d'une fonction qui est monotone. Comme ça, vous pouvez bien comprendre, comme elle est monotone, en prenant la borne à gauche, vous êtes toujours par en dessous, et par excès quand vous prenez la borne à droite, et quand elle est décroissante dans le temps. Quand elle est monotone sur un morceau, on peut vraiment encadrer par deux valeurs. C'est-à-dire qu'on a une vraie inégalité entre deux sommes de Riemann. Là, nous, c'est pas ce qu'on fait. Elle a le droit de varier comme ça, la fonction milieu. Donc, on sait juste que ça va tendre vers le bon nombre, mais on sait pas si c'est par excès ou par défaut. Enfin, c'est ça qu'on dit plutôt. Voilà. Mais, on peut bien sûr prendre d'autres sommes de Riemann. Donc, celle qui est écrite officiellement au programme, c'est celle-ci. Maintenant, si vous avez compris le principe, oui, comme l'a dit Simon, je peux maintenant. J'ai basé une somme de Riemann par rapport à ce qui était la somme à gauche, mais si maintenant je veux me baser sur le point qui est là, c'est-à-dire que pour mon premier rectangle, je veux pas me baser sur f de t0, mais que pour mon premier rectangle, je veux me baser sur f de t1. J'ai le droit. Et pour mon deuxième rectangle, je me base sur f de t2. Dans ce cas-là, je peux complètement convertir ma formule en disant que j'ai la somme pour k égale 1 à n des f de tk, et là par contre il faut un tout petit peu modifier, c'est du tk moins tk moins 1, on décale dans l'autre sens, qui tend vers l'intégrale de a à b de f de t dt. Et du coup, variante aussi de ce truc là, c'est que si maintenant je reprends ma subdivision équiréparti, ça me dit que b moins a sur n, si je sors la subdivision, fois f de a plus k fois b moins a sur n, bah ça tend encore vers ce qui est là. Donc il y a plein, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut avoir des sommes qui vont de 1 à n, des sommes qui vont de 0 à n moins 1, ça va dépendre de A, ça va dépendre de B, ça va dépendre de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir écrire le résultat. Alors, je parlerai de la preuve après. On va plutôt essayer de faire des exercices là-dessus pour essayer de comprendre quelque chose. Et moi, je vais vous rajouter quelque chose une fois qu'on a fait un premier exo. Parce qu'en général, vous avez du mal à reconnaître des sommes de Riemann et vous avez du mal à voir comment trouver les bonnes bornes AB. Enfin, il y a beaucoup de choses qui varient et vous avez un peu de mal à identifier les choses. On va faire un exemple. Ah, si j'allais dire, j'ai quand même un exemple simple quelque part, sinon c'est pas possible. Allons-y. On va faire l'exercice. C'est l'exercice 20. Je veux la limite quand n tend vers plus l'infini de. Donc, je veux la limite quand n tend R plus l'infini de 1 sur n, somme pour k égale 1 à n, dln de 1 plus k sur n.
Alors, première chose, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas de résultat de limite de somme. Donc, si je vous demande de ne pas me calculer une somme, mais uniquement de m'en calculer la limite, à l'heure actuelle, le seul résultat de cours que vous avez pour faire ça, c'est ce qu'on vient de parler, ce sont les sommes de Riemann. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre que ça, c'est l'écriture d'une fonction sur un certain segment, et d'essayer de dire que ça tend vers une intégrale. Alors donc la question pour pouvoir appliquer notre résultat sur les sommes de Riemann, c'est d'arriver à définir pour quelle fonction f, pour quel point a et pour quel point b. Alors est-ce que quelqu'un est capable de me parler d'une fonction, de me parler de choses sur, pas forcément sur a et b directement, mais par exemple sur b moins a ou ce genre de choses. Arthur. Oui, mais pour me faire la limite ici, et je vous ai pas parlé de somme de Riemann pour faire des produits, si on transforme la somme des ln en produits, ça fait ça puissance 1 sur n. Comment je trouve la limite de cette horreur? Waouh, ton idée elle marche Arthur, hein, mais je peux pas te la développer là. Enfin, ça me prend quelques pages. Mais ça marche. Il y a un sujet, on le fera un moment, il y a un sujet sur des sommes qui fait un truc comme ça. Et avec ce même genre de calcul. Mais il y a une idée beaucoup plus simple ici, donc on va faire l'idée beaucoup plus simple. On va essayer de reconnaître une somme de Riemann. Comment on fait? François. Ok, sur le coup, tu m'as fait peur avec le développer ln. Ok, avec ce que tu as dit derrière, ça me va mieux. Le mot développer n'était pas très adéquat parce qu'il n'y a aucune propriété sur les sommes de ln, on est d'accord. Ln d'une somme. Oussama. Alors, on pourrait voir, ce qu'il faut arriver à reconnaître, c'est une fonction. Donc, ce que voit Oussama, c'est du ln de 1 plus x, avec a qui vaudrait... Ça, c'est un choix qui marche. Ce n'est absolument pas le seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il suffit de faire quelque chose, ce que vous n'avez pas fait. Il suffit d'écrire notre résultat théorique qu'on veut avoir. Alors attention, quand on est en 1 et n, il faut juste avoir la logique qu'on a le droit de mettre des bornes 1 et n. C'est la deuxième version. Et donc, c'est un peu ce qu'a dit François. Il faut essayer d'arriver à identifier ça. Alors, il faut essayer d'identifier l'un par rapport à l'autre. Je vais vous aider là-dessus. La première chose à identifier, c'est ça. Ça, si c'est une somme de Riemann, ça doit forcément s'identifier avec ceci. Pauline ? Exactement, c'est un autre choix, c'est exactement ça. Si vous essayez d'identifier ça par rapport à ça, vous devez voir que A vaut 1, à cause du 1 qui est là et du A qui est ici. Et ensuite, vous devez voir aussi, à cause du fait qu'il y a un 1 ici, que B moins A est égal à 1. Il implique forcément que B vaut 2 dans ce cas-là. On peut voir ça que A égale 1 et B égale 2. Dans ce cas-là, une fois que vous avez identifié ça, il faut identifier devant la fonction f. Dans ce cas-là, la fonction f de x est l'équivalent de la fonction lnx. Et devant, il faut juste vérifier qu'on a bien le bon résultat. Ici, on a du B-A sur N. Comme B-A fait 1, on a bien du 1 sur N. Donc, que vous identifiez par la méthode que j'ai détaillée, mais que Pauline a bien vu les bornes ici, ou vous ayez vu la méthode d'Oussama, vous pouvez écrire l'un ou l'autre des résultats. Alors, vous allez pouvoir écrire ce résultat-là d'un côté, donc je vais le faire en bleu, l'autre en vert. D'un côté, vous allez pouvoir dire que 1 sur N, somme pour K égale 1 à N, des ln de 1 plus k sur n, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir identifier que 1 sur n, somme pour k égale 1 à n des ln de 1 plus k sur n. Je vais utiliser une autre variable juste pour vous expliquer un lien entre les deux derrière.
Mais là, ça tendrait vers l'intégrale de 1 à 2 de ln de t dt. Les deux méthodes sont strictement équivalentes. C'est juste que vous n'identifiez pas la même chose. Et c'est assez logique, vous allez dire, mais on a deux réponses différentes. Non, on n'a pas deux réponses différentes. C'est la même réponse. Si je pose dans cette intégrale-là le changement de variable t égale 1 plus x, maintenant qu'on a vu les changements de variable dans les intégrales, je vous assure qu'en posant t égale 1 plus x dans l'intégrale qui est à gauche, vous allez vous retrouver avec l'intégrale qui est à droite. Le changement de vitesse est évident, la dérivée de t ça fait du 1 dt et la dérivée de 1 plus x ça fait du 1 dx, donc en fait le dx va se remplacer par un dt, le 1 plus x par un ln de t, et quand x vaut 0, t vaut 1, et quand x vaut 1, t vaut 2. Donc c'est vraiment un changement de variable dans une intégrale de façon à peu près évidente. Mais voilà ce que c'est qu'une question sur les sommes de Riemann. C'est arriver à trouver la limite de cette fonction en identifiant quelque chose. Alors, c'est pas simple et ça mène à confusion dans certains cas. Donc je vais vous faire un deuxième exo qui marche un tout petit peu moins bien pour essayer de voir si vous arrivez à voir ce qui se passe ou pas. Je l'ai pas mis dans le police parce que après il y a des exos un peu plus durs. On va faire déjà un exo un peu intermédiaire entre les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire ça. Tiens. Exo 21. Et je vais vous demander la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur n j'ai pas calculé l'intégrale. On aurait pu le faire, c'est un ln, ça se fait par IPP. On l'avait vu en début d'année. Je le refais pas. Somme pour k égale 1 à n, d1 sur... Je veux la limite de ce truc-là. Essayez de me le faire. Essayez de m'identifier vos bornes et vos machins et vos. Je vais passer dans les rangs, essayez de voir si vous arrivez à me trouver F, A et B. Alors normalement, j'ai rajouté une toute petite contrainte qui va vous poser un petit problème. Et donc à cause de ça, même si la fonction f est compliquée, on s'en fiche royalement. Bon, on voit des petits débuts de choses qui commencent à paraître correctes. Je vais quand même m'y mettre pour pas qu'on y passe deux heures sur cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, le problème de tout à l'heure, et ce qui va nous gêner un petit peu ici pour comprendre, c'est que cette quantité-là, je ne vais pas pouvoir quand même trop la séparer du choix de A, du choix de B, et en même temps du choix de F de X. Pourquoi? Parce qu'il faut que je reconnaisse que K carré sur N carré, enfin, chose à regarder, c'est bien du K sur N le tout au carré. Donc, ceci est bien une fonction de la variable K sur N. Ou autre façon, plutôt que de parler de F de K sur N, f de x, je peux peut-être parler, si vous voulez, de f de k sur n et ensuite traduire ça en f de x. Ça ne me choquerait pas. Qu'est-ce qu'on fait derrière quand on a ce f de k sur n? Alors, il y a plusieurs choix. Je pense que certains commencent à voir des choses en se disant « Ah, bah tout à l'heure, ça, c'était l'équivalent de mon... » Ah, alors attention, ne notez pas forcément, c'est mon explication, elle ne va pas forcément être correcte. Et c'est là le deuxième truc que je vous ai... où je vous ai fait un piège ici, c'est que là où j'ai mis un 4, certains se sont dit « Ah, bah pour que ça marche, il faut forcément que B-A, ça fasse 4 ici. » Sauf que ça, c'est complètement faux. J'ai mis une constante là-haut. Si je la remplace par 8, est-ce que ça change le type de limite que ça va être, ou par 12? Non, le résultat va être le même. J'ai le droit, au lieu de converger vers une fois l'intégrale, j'ai peut-être convergé vers deux fois l'intégrale, trois fois l'intégrale. Ça ne change rien au type de résultat. Donc, c'est absolument pas par rapport au nombre qui est à l'extérieur qu'il faut se fier. D'ailleurs, très souvent, ce sera 1 sur n, même si la longueur n'est pas 1.
Par contre, on peut essayer de se fier à ça. Vous avez envie de vous dire que c'est B moins A qui vaut 2. Alors, le problème, c'est maintenant, si vous posez ça, ça vous fait du A égale 2 et du B égale 4 qui pourraient avoir du sens, mais ce serait quoi la fonction f? Alors, si je veux faire une fonction f de k sur n, enfin, c'est même pas... Alors, justement, je vous ai un peu trop guidé en faisant du f de k sur n. Je voudrais écrire c'est quoi f de a plus... c'est b moins k fois b moins a sur n, je vais l'écrire en fonction de ça. Donc, je voudrais une fonction qui prie en 2 plus k fois 2 sur n, ça me renvoie à cette expression qui est là. C'est pas simple à cause des carrés, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, c'est un petit... c'est pas si simple que ça du tout à cause des carrés. Donc, cette idée, c'est juste ce que je voulais montrer par cet exemple. Cette idée d'essayer de reconnaître a, b et f, et pour moi, alors mais ça c'est vraiment mon truc de prof de maths à moi, hein, dans tous les bouquins ils vont faire converger vers des sommes de Riemann avec des A, des B et des N, enfin des F, est une bêtise pure. On peut 100% du temps, et je dis bien 100% du temps, ramener toutes nos sommes de Riemann à une intégrale sur l'intervalle 0,1. Ce qui fait qu'on n'a jamais à chercher A et B, on a juste qu'à reconnaître une fonction de K sur N. Donc, je vais vous expliquer mon raisonnement à moi. Je ne cherche pas, comme j'ai mis là une fonction de f égale a plus k moins b sur n, je cherche, et je vais expliquer pourquoi après, moi je cherche juste une fonction de k sur n. Et maintenant que j'ai remarqué mon petit truc qui est là, trouver une fonction de k sur n, c'est pas très très compliqué. Ma fonction de k sur n, c'est 1 sur 2 plus 2 fois k sur n, le tout au carré. Ce qui fait que ma fonction f de x, c'est 1 sur 2 plus 2x carré. Ça me simplifie beaucoup la vie. Alors, mais qu'est-ce que je gagne à rechercher, alors je suis où, je suis là, qu'est-ce que je garde à chercher ça plutôt que ça? Ben, je gagne qu'en fait, maintenant, si je veux faire le chemin en sens inverse, puisque j'ai trouvé une fonction de k sur n, ça revient à prendre a égale quoi et b égale quoi? Dans la formule qui est là, si j'ai déjà une fonction de k sur n. En gros, j'essaye d'identifier a plus k fois b moins 1 sur n égale k sur n. C'est juste ce que je veux espérer. Ça vous dit quoi pour les valeurs de a et de b moins a? Ben, il n'y a pas trop le choix. Il faut forcément que ce nombre-là, a, puisque j'ai pas de terme en constante en plus du terme en k sur n, ça vaut 0. Et il faut que mon terme ici en b moins a, il vaut 1. Donc ça me dit que a est égal à 0 et b égale 1. Et maintenant, j'ai bien mon résultat de cours. Alors, que me dit mon résultat de cours? Mon résultat de cours, il me dit que b moins a sur n fois la somme pour k égale 1 à n des f de a plus k fois b moins a sur n, qui dans mon cas, moi, b moins a valant 1, ça me dit que 1 sur n, somme pour k égale 1 à n, des 1 sur 2 plus 2 k sur n au carré. Ça va tendre. J'ai oublié de le faire en diagonale pour que ça passe sur la même page, je suis désolé. Ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 plus 2x carré dx. Quand n tend vers plus l'infini. Oui, Arthur? J'ai pas compris. Alors, je vais le refaire dans l'autre sens plutôt. Je reviendrai sur cette page juste après. Je vais écrire une nouvelle page pour expliquer ce que je voulais expliquer derrière. Là, je l'ai fait sur un exemple, mais en fait, pour moi, c'est pas un exemple. C'est une propriété fondamentale qu'il faudrait comprendre et faire ça. Je vous ai fait le cours tel que je dois vous le faire, et maintenant, je vais vous l'expliquer tel que moi je le comprends et tel que je pense qu'il vaut mieux que vous le compreniez pour avoir moins de choses à retenir et que ce soit plus efficace. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as un résultat théorique qui est celui-ci. J'ai même pas besoin de mettre mes indices là. Mais tu as un résultat théorique qui te parle de B moins A sur N et de F de A plus K fois B moins A sur N. Qui te demande d'identifier, donc ce résultat-là te demande d'identifier A, B et F, les trois étant plus ou moins imbriqués.
On l'a vu avec l'autre exemple où il y avait deux solutions possibles. Si je change A et B, je change F, etc. Donc les trois sont imbriqués. Donc c'est pas, un truc si évident que ça de trouver les trois. Moi, je me dis, et c'est juste ça, j'ai pas besoin de trois paramètres, en fait. Qu'est-ce qui va représenter une fonction, une somme de Riemann? C'est deux choses pour moi. C'est un 1 sur n en facteur là-devant. Alors, je vais mettre deux choses ici. Donc, pour moi, donc, une somme de Riemann. C'est trois choses. Et c'est uniquement trois choses qui permet de les reconnaître. Un 1 sur n en facteur. Ensuite, n termes dans une somme. Et c'est là que j'ai envie de tout simplifier. Parce que le B-A devant, j'ai essayé de vous expliquer qu'il ne sert à rien. Et le dernier truc, c'est une fonction de K sur N. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, ça revient à dire quoi, en fait, ça, ce que je veux dire par une fonction de K sur N? Bah, à tout moment, vous écrivez f de a plus k fois b-a sur n. Ça revient pour moi à écrire ça est égal à g de k sur n. Avec g, c'est la fonction qui a un réel t associé f de a plus t fois b-a sur n. C'est un changement de variable, entre guillemets. Donc, dès que tu as une fonction de k sur n, dès que tu as 1 sur n en facteur et n termes dans une somme, en fait, ce qu'on peut écrire, c'est ce résultat-là. Ce résultat-là devient 1 sur n, somme pour k égale 1 à n ou 0 à n-1, je m'en fiche, hein, des f de k sur n. Et ça, on le sait par le théorème qui est au-dessus avec des b et des a. Ça tend quand n tend vers plus l'infini, vers une intégrale de 0 à 1 de f de t dt. En gros, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver a et b, quitte à compliquer f. En gros, je complique f vu que je fais disparaître le a et b de f. Quitte à compliquer f, je peux toujours dire que ce résultat-là se converge vers une intégrale sur 0. Et donc, il n'y a plus besoin de trouver A et B, il n'y a juste plus besoin que de trouver une fonction de K sur N. OK? Donc, je reviens sur la page d'avant et je détaille un peu plus avec cette idée-là en plus. Je voulais refaire un autre exemple après, on en refera encore. Mais c'est une fois que vous avez compris ça, il n'y a vraiment rien de plus à comprendre que ça. Je reviens sur la page qui était avant. On avait, je vais repartir de l'énoncé, j'ai cette fonction-là. Je dois trouver la limite de ce truc-là. Donc ça, je vais le recopier à la page d'après pour refaire le même calcul. Mais avec cette idée-là que je viens de vous développer. Donc, page de plus. Donc, je veux comprendre cette quantité-là. 4 sur n, somme pour k égale 1 à n. J'avais mis quoi? Des 1 sur 2 plus 2, et je vais l'écrire comme ça, k sur n au carré. J'ai bien 1 sur n en facteur, vous êtes d'accord? Et j'ai bien une fonction de k sur n. Maintenant, si je réfléchis comme ça, j'ai beaucoup moins de choses à trouver. C'est beaucoup plus simple. Est-ce que si tu as compris ma logique, Arthur, est-ce que tu peux me donner ma fonction f de x, qui est ma fonction de k sur n? C'est avec du 1 sur. Je remplace juste, en fait, ma variable x par la variable k sur n, et ça doit marcher. Et maintenant, ce que je sais, c'est juste ça. Maintenant, et c'est là la différence de ce que j'ai fait tout à l'heure et que je vais refaire en détailler un peu plus, parce que tout à l'heure, c'était en diagonale, etc. Donc, que me dit mon cours sur les sommes de Riemann? Donc, d'après le cours sur les sommes de Riemann, je sais que 1 sur n, somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2 plus 2 k sur n au carré, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 plus 2x carré dx. Alors, c'est pas la limite qu'on voulait. Et c'est là que c'est le dernier point que je voulais insister et vous expliquer. Je n'ai pas du tout pris en compte ce 4 extérieur parce que je peux le prendre en compte à la fin comme facteur multiplicatif. Ça me change strictement rien.
Donc maintenant, il y aurait à cause de ce 4-là une ligne suivante qui est donc 4 sur n, somme pour k égale 1 à n, des 1 sur 2 plus 2 k sur n au carré. Ça, ça tend quand n tend vers plus l'infini vers. Ça tend vers quoi ? Moi, ouais, ça tend vers 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 plus 2x carré dx. Donc voilà ce que c'est pour moi appliquer une somme de Riemann. Alors, ça vous compliquera un tout petit peu la vie une fois de temps en temps, dans le sens où vous allez tomber sur une intégrale de 0 à 1 qui est peut-être un peu plus compliquée que l'autre. Typiquement, si je reviens en arrière sur mes autres exercices, c'était l'idée d'Oussama en fait ici. Et l'idée d'Oussama, ça mène à une intégrale en ln de 1 plus x. Et ln de 1 plus x, vous ne connaissez pas sa primitive par cœur. C'est une dérivée de composée. Enfin, il y a une composée. Certains, je pense, connaissent la dérivée, la primitive de ln de 1 plus x. Il y a une primitive avec une dérivée de composée pour arriver à faire le calcul. Il faut que, par contre, la primitive de ln de t, on l'avait vu en début d'année, mais on peut la connaître à peu près facilement. C'est du t ln de t moins t. Ah, vous n'êtes pas obligé de connaître ça, mais si vous le connaissez, vous pouvez gagner du temps sur le calcul de la deuxième intégrale. Par contre, comment on avait prouvé le t ln de t moins t par IPP, comment on calcule la première intégrale par IPP? La méthode ne change pas, ça va marcher. Donc cette idée que je viens de vous dire pour essayer de ne pas déterminer A et B, c'est une méthode qui permet de se simplifier la recherche des sommes de Riemann. Et comme c'est un petit détail de point de cours, je pense que simplifier la recherche est déjà quelque chose de très important. Et après, on arrive sur une intégrale à calculer, il faut savoir la calculer. On arrive sur des méthodes où on va beaucoup plus pratiquer ça, et en général, vous êtes bien mieux armé pour faire ça. Typiquement, faisons mon calcul. Comment je calcule cette intégrale-là, ici? Il y a une chose à voir et à faire, sinon vous ne vous en sortez pas. Baptiste? Oui, ce qu'il faut voir, et c'est le truc qui fait tout marcher, c'est ce 2 qui est au dénominateur qu'on peut mettre en facteur. Donc si je mets 2 en facteur, alors maintenant je vais repartir de ça, 4 fois l'intégrale de 1 sur 2 plus 2x carré dx, ça c'est 4 fois l'intégrale de 0 à 1, et je vais l'écrire comme ça, de 1 demi fois 1 sur 1 plus x carré dx. Le 1 demi, je peux le sortir de l'intégrale, ça va me faire du 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx, et comme l'a dit Baptiste, il faut absolument savoir reconnaître ça, c'est du arc, ça se primitive en arc tangentique, entre 0 et 1. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez du mal à connaître votre dérivée de tangente quand vous connaissez si bien la dérivée d'arc tangent. Et donc ça va me faire du 2 fois arc tangente de 1, et tout le monde sait que ça fait du 2 fois pi sur 4 et que ça fait pi sur 2. Voilà pour ce calcul d'intégrale. Alors, on va continuer les exercices. Hop. Tu peux changer de page? Non? Ok. Bon, j'y vais. Non. Bon. Au pire, ce sera en ligne. Vous pourrez reprendre la petite ligne qui manque. Alors, on va faire les deux autres, il faut faire le 21 et le 22, on aura fait le tour de tout ce qui peut vous arriver avec ces deux-là. Ah.
Alors, j'ai écrit dans le mauvais sens, j'ai d'abord écrit mon calcul, mais je veux déterminer un réel A tel que cette quantité-là tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors, encore une fois, c'est l'idée de trouver la limite d'une somme. On n'a aucun résultat à part les sommes de Riemann pour trouver des limites de somme. Alors, je vais biaiser un tout petit peu ce que je viens de dire là à l'oral, qui est que vous pouvez trouver des limites de somme parce qu'on a vu plusieurs exercices. On a même une question de cours là-dessus, où on peut encadrer une somme par des intégrales, et du coup, avec l'encadrement par des intégrales, trouver la limite de la somme. C'est d'ailleurs aussi des choses que vous devez me faire dans les sujets que vous travaillez en ce moment. Donc, on sait faire aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que dès qu'on vous demande une limite de somme, ce n'est pas forcément une somme de Riemann. L'idée pour essayer de faire apparaître une somme de Riemann, c'est toujours l'idée que j'ai essayé de vous développer en rouge à l'exercice d'avant. Il faut qu'il y ait un 1 sur n en facteur, il faut qu'il y ait une fonction de la variable k sur n. Question, est-ce que c'est le cas ici? Arthur? Donc il y a ça qui peut aller devant 1 sur n en facteur, ouais. Ouais, cette racine peut rentrer dans la somme au dénominateur. Et du coup, si on voit ça comme ça, on aura bien une fonction. Alors, on aura du racine de k sur racine de n. Et ça, on peut le voir comme du racine de k sur n. Et on a bien créé une fonction de la variable k sur n. Hugo? Bien sûr. Oui, il sert à rien. C'est une constante. On va pas le rentrer. Et encore un peu comme le 4 de tout à l'heure qui nous gênait, le a va être une constante parasite qu'on va traîner dans les calculs tout le long et qui va se simplifier à la fin. Exactement. Donc, on a 1 sur an racine de n, somme pour k égale 1 à n des racines de k. Bah, ça, c'est aussi. Oui, Alexis? Bah, ça dépend, et on peut faire les deux sommes de Riemann, c'est pas gênant. Dans l'exo, c'est à k égale 0, c'est moi qui ai mal recopié? Non? Il y a deux types de sommes de Riemann. Si on les base à gauche, ça va faire des k égale 0. Si on les base à droite de nos rectangles, ça va faire des k égale 1 jusque. De 1 à n, il y a bien n intervalles. Alors, je le fais en deux temps. Ça me donne du racine de k sur racine de n. Et ce qu'on a dit à l'oral, c'est que ça me fait bien. Donc, je garde mon 1 sur a devant parce qu'il va me gêner. Et ça me donne bien du somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n. Donc, je peux bien identifier sans réfléchir trop loin. J'ai du 1 sur n, j'ai une fonction de la variable racine de k sur, enfin, de la variable k sur n. Pas besoin de déterminer a et b. Je fais une intégrale sur 0, 1 et je verrai comment je la calcule derrière. Donc ici, clairement, la fonction de la variable k sur n, c'est la fonction racine de x. Donc j'ai 1 sur n, somme pour k égale 1 à n, des racines de k sur n, qui tend quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de racine de x dx. Comment se calcule cette intégrale-là? C'est une idée à avoir pour arriver à s'en sortir. En général, vous avez du mal avec ce genre de choses, mais c'est pas sûr que ça, Louis. Oui, et du coup, est-ce que c'est une primitive de référence? Oui, on augmente de 1 la puissance et c'est juste ça. Très très bien, Louis. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 demi dx. Et ça se primitive en du x puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1, à prendre entre 1 et 0. En 0, ça fera 0. En 1, ça va me faire du 1 puissance 3 demi sur 3 demi. 1 puissance 3,5, ça fait 1, ça me fait donc du 1 sur 3,5 pour pas aller trop vite. 1 sur 3,5, ça me fait du 2 tiers. Oui, Simon? Oui, mais on doit trouver la constante A pour que ça tende vers 1. Puisqu'on vient de prouver que l'autre terme tend vers une limite finie, le A est non nul, et en fait, là, comme je viens de trouver 2 tiers, mon A, il va valoir 3,5. Donc, j'y arrive. Donc, 1 sur A
fois 1 sur n, somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n, ce que je viens de trouver, c'est que ça, ça tend quand n tend vers plus l'infini, vers 1 sur a, bah, mon intégrale de 0 à 1 de racine de x dx. Donc ça tend vers 1 sur a fois 2 tiers. Donc la limite vaut 1. Pour a égale 3 demi. Clairement. Pour compenser un 2 tiers, il faut que je mette au dénominateur un 3 demi. Je raconte. Non, comme le a est au dénominateur, je vais trop vite, excusez-moi. C'est pas du 3 demi. Comme le a est au dénominateur, s'il avait été au numérateur, ça aurait été du 3 demi pour compenser un 2 tiers. Comme il est au dénominateur, a il vaut 2 tiers, oui, pardon. Pour A égale, et je l'ai sous celui-là, hop, 2 tiers. Donc voilà une petite variante, c'est-à-dire cette fonction n'était pas clairement écrite comme du 1 sur n fonction de k sur n, et donc il était dur de voir la somme de Riemann apparaître. C'est parmi les choses les plus dures qu'on peut vous demander, en colle et en sujet, soyons clairs. Quand ça tombe en sujet, soit c'est écrit de façon évidente avec le 1 sur n et la fonction de k sur n, parce que déjà, pour que vous y pensiez, il y aura tellement d'autres résultats qui nous font faire des limites de somme. Soit écrit comme ça, ou soit si c'est une version plus dure, ce sera écrit en faisant apparaître une somme de Riemann, qui vous guidera sur ce qu'il faut faire. Dernier exo pour ça, c'est un des calculs les plus classiques en somme de Riemann. C'est un exo pas si facile que ça, c'est l'exo 22. Oula, non, c'était page précédente au lieu de faire page suivante. On vous demande de déterminer la limite de 2n factoriel sur n puissance n, n factoriel, le tout à la puissance 1 sur n. Et j'ai mis en indication, on pourra passer au logarithme et montrer que cela tend vers 2 ln de 2 moins 1. Donc soyons clairs, je vais calculer le ln de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? On peut utiliser la formule avec la puissance, Martin, c'est-à-dire puissance de n. Ah, donc c'est vrai, mais c'est. Comprenez que si en colle, vous me dites, on utilise la formule, monsieur. Quelle formule? C'est pas à moi de la dire. Mais c'est juste ça. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus vite. On a clairement des ln d'un quotient. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire comme du ln de 2n factoriel. Moins ln de n à la puissance n. Moins ln de n factoriel. Du coup, on peut faire 3 moins. Les deux sont au dénominateur. Alors, si je le fais en deux temps, Baptiste, t'as du mal à le voir. Ici, j'aurais une ligne intermédiaire pour ce terme-là, enfin, pour ce double terme-là, qui serait en moins ln de n factoriel n puissance n, vu qu'il est au dénominateur. Et maintenant, j'utilise le ln d'un produit. Qui me fait une somme des deux avec un moins devant, ça me fait bien 2 moins au total. OK ? Comment vous pouvez me simplifier cette horreur ? Arthur. Ouais, ça va pas trop nous servir, mais enfin un petit peu peut-être. Simon, t'as une autre idée ? Pour les factoriels, on utilise la propriété de l'ln avec les produits. Oui, exactement ça. Alors du coup, comme tu l'as vu, je vais l'écrire tout de suite. Alors. Ln d'un produit est égal à la somme des ln, c'est l'idée 1 et l'idée 2, c'est encore une fois ln de b puissance a est égal à a ln de b. Donc j'ai 2n factoriel, donc j'ai 2n fois 2n moins 1 fois 2n moins 2 jusque 1,
Donc ce terme-là, c'est la somme pour k égale 1 à 2n des ln de k. Moins n ln de n, moins la somme pour k égale 1 à n des ln de k. Alors là, il se passe quelque chose, j'ai une somme de 1 à 2n moins une somme de 1 à n. Ça, ça va devenir une somme pour k égale, c'est châle. Et la bande du haut, ça va être 2n, la bande du bas. Maxence ? Oui, exactement. Donc j'ai toujours mon 1 sur n devant. Il va me rester ma somme pour k égale n plus 1 à 2n des ln de k. Et en dehors de cette somme, j'ai aussi un moins n ln n qui traîne. Et je veux la limite de ce truc-là. Et il se passe un truc un tout petit peu particulier. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu développer des 1 sur n pour enlever le n qui est devant le ln n et ensuite, avec le châle, rentrer le ln n à l'intérieur de la somme. Et ensuite, du coup, la châle est retrouvée dans les plus grands. Alors, on va. Ce que tu dis, et il y a des choses correctes et des choses incorrectes. Si tu veux rentrer le ln n à l'intérieur de la somme, puisqu'il ne dépend pas de k. Si tu veux le rentrer à l'intérieur de la somme, il y a combien de termes? On va de n plus 1 à 2n, il y a n termes. Si tu veux pouvoir rentrer le ln à l'intérieur de la somme, il t'en faut n de ln n. Si... Mais du coup, il n'y a pas besoin de développer. Donc, on va avoir un petit problème. Donc, il faut le garder comme ça. Donc, il y a une idée qui va nous servir, mais qui n'est pas complète ici. Alors, l'idée, clairement, maintenant vous devez voir quelque chose. On a 1 sur n en facteur, on a une somme de n termes, et on a du ln de k. Non, on n'a pas une fonction de k sur n. Donc c'est l'idée qui manque. Est-ce qu'on peut faire apparaître une fonction de k sur n? Il y a deux façons de le voir. Soit vous forcez la fonction de k sur n à apparaître et vous voyez comment ça doit se compenser. Soit vous arrivez à voir, et c'est ce que propose Arthur de façon un peu tordue, je pense, mais c'est ça. C'est que ce terme-là, on est bien d'accord qu'il y a n termes en ln n. Donc, puisque j'ai n termes dans ma somme, je vais mettre n ln n, n termes. Puisqu'ici, dans cette somme-là, j'ai n termes, je peux rentrer ce ln n à l'intérieur de la somme. C'est-à-dire que ça, c'est égal à ceci. Alors, je vais plutôt mettre là derrière pour avoir un peu de place et pouvoir le recopier à la page d'après. Oh, j'ai été trop vite. Je vous aide trop. Maintenant, le tout étant à l'intérieur de la somme. Je peux même le mettre comme ça pour... Pourquoi je repars là-bas? Le ln de n étant à l'intérieur de la somme. Est-ce que ça vous va qu'on a le droit de faire ça? C'est une façon de le voir. L'autre façon de le voir, je peux la faire là sur le côté si ça vous plaît pas trop. Si vous dites, je suis incapable de voir ça. Vous êtes incapable de voir ça. L'autre idée, c'est je force la fonction de k sur n à apparaître. Comment je fais ça? J'écris ici que c'est du 1 sur n. Et je vais dire que c'est du ln de k sur n. Et j'ai pas le choix, pour forcer à apparaître, c'est du ln de k sur n fois n, sinon je modifie mon calcul et j'ai mes moins n ln n. On est bien d'accord que c'est ici que j'ai forcé à apparaître. J'ai bien créé du 1 sur n, pas du k sur n, et pour pas modifier mon calcul, j'ai fait apparaître un fois n en haut, puisque j'avais du ln de k. Et là, maintenant, je peux utiliser le ln d'un produit. Ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b. Et ce calcul-là devient 1 sur n, somme pour k égale n plus 1 à 2n des ln de k sur n plus ln n dans la somme, moins n ln n en dehors de la somme,
Le NLNN à l'intérieur ne dépend pas à... Je vais écrire une dernière ligne sur l'autre méthode aussi pour qu'on voit bien que c'est la même chose. Maintenant que j'ai écrit une différence, est-ce qu'on est bien d'accord que ln de k moins ln de n, c'est du ln de k sur n? Donc ça, ça me fait la somme pour k égale n plus 1 à 2n des ln de k sur n. Et ici, si je sors mon ln de la somme, ça, ça va me donner du 1 sur n. Somme pour k égale n plus 1 à 2n des ln de k sur n. Et ce qui va me rester... Et si je sors le lnn de la somme, il va apparaître du plus n lnn moins n lnn. Et ces deux termes-là vont se compenser. Ces deux explications différentes du même calcul. Hein. C'est à vous de voir ce que vous préférez de l'un par rapport à l'autre. Oussama ? On va devoir, parce que là on respecte pas les normes pour pouvoir dire que ça tend vers comme une somme de Riemann, vu que les bornes sont pas de 1 à n mais ou de 0 à n-1, mais de n plus 1 à 2n. Le calcul n'est pas fini, c'est juste que je voulais vous expliquer que vous arriviez à voir apparaître la somme de Riemann. Ah, et après tu factorises par n. Ça, d'accord, si tu le fais dans l'autre sens, oui, ça marche comme ça aussi. Bien sûr, bien entendu, ça marche. Du moment que tu arrives à me faire apparaître ta fonction de la variable k sur n, ça marchera. Oui. Oui. Ici, de là à là, c'est on sort le ln de la somme. Alors, je suis où à chaque fois? Là. Je vais faire ça pour bien montrer que c'est sorti de la somme. Allons-y. Alors, je repars donc de ma somme qui me reste, c'est-à-dire 1 sur n, somme pour k égale n plus 1 à 2n des ln de k sur n. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode, j'ai cette quantité-là qui est là. J'ai fait apparaître ma fonction de k sur n, j'ai fait apparaître mon 1 sur n, j'ai fait apparaître une somme de n termes. Il y a quand même un petit défaut par rapport à la méthode des sommes de Riemann classique, c'est que ma somme ici, elle va de n plus 1 jusque 2n. Une somme classique, elle va de 0 à n moins 1 ou de 1 jusque n. Comment on fait ? Maxence ? Oui, on fait, donc tu veux poser du... Alors pas que en bas et en haut, c'est la variable qui va changer, tu vas poser j qui vaut... Voilà, enfin, c'est l'équivalent de ce que tu m'as dit, hein. Donc comme ça, ça va bien me faire une somme pour... Alors, 1 sur n devant, une somme pour j égale 1 à n des ln. Et attention, puisque j, ça vaut k moins n, c'est équivalent à dire que k, ça vaut j plus n. Et je vais me retrouver avec du j plus n sur n. Je fais juste une petite simplification. J plus n sur n, ça me fait du j sur n. Plus 1 à part. Et là, par contre, on a exactement une somme de Riemann. J'ai exactement moins sur n. J'ai bien ma somme qui va de 0 jusqu'à n-1 ou de 1 jusqu'à n. Et j'ai bien ma fonction de la variable j sur n. Donc, j'ai tout ce qui me fait apparaître une somme de Riemann. Donc, cette chose-là, ça tend. Quand n tend vers plus l'infini, vers quoi? Alors. Ça. Y a-t-il d'autres absents qui est bas ou on est que 42? Sofiane qui est pas là. Ok. 41. Le 18 vient d'échapper. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Camélia. Vers quoi ça tend maintenant qu'on a reconnu qu'il y avait du 1 sur n devant? C'est du j sur n, mais on peut appeler ça du k sur n, et j'ai une somme de n termes. Vers quelle intégrale s'attendrait cette aura? Alors, je t'aide, puisqu'il n'y a pas, je veux pas passer par des a et des b, mon intégrale, je suis sûr qu'elle va aller de 0 à 1. Il n'y a plus qu'à m'identifier la fonction.
quelle est la fonction de K sur N ou de J sur N qui est en jeu ici? Exactement. Donc ça tend vers du ln de 1 plus x dx. Oh, c'est exactement l'intégrale qu'on devait calculer tout à l'heure et que j'ai pas fait. Faisons-le maintenant. On a dit tout à l'heure que ça se calculait par IPP. Je me permets de ne pas faire quelque chose. Je vous le dis juste à l'oral. Les deux, on va. Donc il n'y a qu'une seule. Oh, enfin, si, ça me permet de revoir une méthode. Oh, il n'y a qu'une seule fonction pour faire une IPP. Comment on fait pour faire une IPP quand il n'y a qu'une seule fonction? Héloïse? Ouais, fois 1 et on primitive 1 et on dérive l'autre fonction. Donc première idée, deuxième idée, c'est ça que je note pas au tableau, c'est plutôt puisqu'on doit faire une IPP, les deux fonctions impliquées sont de classe C1, donc j'ai le droit de faire mon IPP. Faut le dire si c'était sur une copie. Je me permets de pas le faire. Donc je cache quand même que ça c'est du une fois ln1. Donc je vais quand même poser mes fonctions classiques, c'est-à-dire que je vais avoir du u' de x qui vaut 1, ce qui donne que u de x égale x, et je vais avoir du v de x qui vaut ln de 1 plus x, vous devez savoir dériver ça, ce qui va donner du v' de x qui vaut du 1 sur 1 plus x. Donc ça va me faire le crochet des deux fonctions, à prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 des deux fonctions que j'ai calculées. Ça en 0, ça fait 0. Ça en 1, ça fait 0. Il ne me reste que l'intégrale de ce que j'ai cherché, c'est-à-dire qu'en gros, cette quantité-là, ça devient moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x dx. On n'a pas fini le calcul. Hein. Ça, je vais le reprendre sur une page d'après. Oui. Ah ouais. Ah, je me suis fait avoir. Oui, je suis d'accord, je me suis trompé. Il manque un truc. J'étais trop vite. Pourquoi je me suis raté? J'ai fait ln de 1 en mettant 0 alors que c'est du ln de 2. Tu as tout à fait raison, Erwan. Je me suis trompé, il manque un terme. Ça fait du ln de 2 moins l'autre. Donc, il me manque un ln de 2. Ah. Bon, c'est juste la constante, c'est pas super important. Ce qui est, en fait, c'est parce que j'ai envie que vous me réfléchissiez à comment vous me calculez l'intégrale qui reste. Comment vous me gérez la nouvelle intégrale qui est là? Le moins x sur 1 plus x. Encore une fois, c'est des vieilles compétences et je veux savoir si vous avez l'idée. Arthur. Il y a une vraie idée. Une idée de polynôme. Vous êtes en train de diviser un polynôme de degré 1 par un polynôme de degré 1. Je suis pas d'accord que ça doit s'écrire comme ça. Pardon, Simon? Bah oui. Parce que normalement, un polynôme de degré 1 divisé par un polynôme de degré 1, ça doit donner, il doit rester, il y a un reste de degré 0. Et ça fera une constante qu'on sait intégrer. Donc l'idée pour calculer ce genre d'intégrale, ou autre façon de le dire, c'est votre question de cours de la semaine dernière dont je vous ai rendu l'interro hier. Pour calculer ça, c'est une décomposition en éléments simples, mais que vous n'avez pas à savoir mener. Par contre, ce que vous savez mener, c'est des divisions euclidiennes. Donc je vais le faire à côté, ce calcul. Car x divisé par 1 plus x. Oh, que c'est vieux. Comment je fais? Alors, il y va une seule fois. J'enlève à x moins 1. Du coup, il me reste moins 1. Est-ce que quelqu'un peut me traduire l'égalité de ce que ça veut dire, cette chose-là? Simon? 1 plus x fois 1 moins 1 égale 1 plus x fois 1 moins 1 est égal à x. 100% d'accord avec toi.
Donc maintenant, je me retrouve à calculer l'intégrale de... Alors, ça paraît très bête écrit comme ça pendant 10 secondes, de 1 plus x moins 1 sur x d. Ah, j'ai réécrit dx. Mais donc ça, ça fait du ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1 de 1. Je divise si je fais la division et il me reste du moins 1 sur 1 plus x. C'est ça, faire ma division euclidienne d'une certaine façon. Autre façon de le voir, hein, pour ceux qui le voient de façon plus intuitive, pour simplifier x par rapport à 1 plus x que j'avais ici, si vous pensez à faire du plus 1 moins 1, vous pouvez faire disparaître le x au numérateur. Donc ça, c'est la version intuitive. Si vous n'avez pas d'intuition là-dessus, c'est une division euclidienne à laquelle vous pouvez penser. Bref, ça donne ça. Maintenant, on peut calculer deux morceaux. J'ai un morceau en moins l'intégrale de 1 sur 0 à 1. Je vais pas m'embêter, ça fait 1. Et je vais me retrouver avec plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx. Ça, ça me fait du ln de 2 moins 1. Et comment vous me calculez l'intégrale qui est derrière maintenant ? Ça, en général, vous n'avez pas trop de mal à le voir. Est-ce que c'est une primitive de référence ? Non. Est-ce que c'est une forme de référence ? Oui, on peut poser quoi pour le voir ? On peut poser u de x égale 1 plus x. Dans ce cas-là, u prime de x, ça fait 1. Et on peut voir que ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de u prime de x sur u de x dx. Et ça, vous savez tous que ça s'intègre en ln. J'ai pas complété ce que vous m'avez dit en ln. Valeur absolue de dx. N'oubliez pas cette valeur absolue, ça va vous jouer des tours. Et ça, ça va me faire donc comme ça me fait donc du ln de 2 moins 1 plus ln de la valeur absolue de 1 plus x entre 0 et 1. Et ça, en 1, ça va me refaire un ln de 2. En 0, ça va me faire un ln de 1. Donc au final, j'ai bien du 2 ln de 2 moins 1. Pauline. Je remets la page d'avant, je remettrai la suivante après. Oui. Encore à la page d'avant alors, non ou là? Donc encore avant. Quelle explication? Celle qui va par là ou celle qui va par là? Par là. Par là? Vous connaissez votre gauche et votre droite, sinon moi je peux pas en sortir. Ici, dans cette somme, il y a une terme. Si je veux rentrer ce terme-là dans la somme, ou autre façon de le voir, imaginons que je rajoute un plus A ici dans la somme. Quand je rajoute un plus A dans la somme, quand il sort, à cause du fait qu'il y a N terme, il y a un NA. Donc là, je le joue dans l'autre sens. Comme j'ai un moins N LNN, j'ai bien N terme en LNN. Donc je peux rentrer ce terme dans la somme, ça me fait un moins LNN N fois. C'est juste ça l'idée. Et donc maintenant qu'il est rentré dans la somme, j'ai bien à l'intérieur de ma somme du ln de A moins ln de B qui fait du ln de A sur B. Mais j'avoue que c'est dur pour vous de penser à rentrer un n fois un terme comme un seul terme dans une somme de n termes, ça c'est pas naturel. On a plus l'habitude de les sortir que de les rentrer. Et c'est pour ça qu'ici j'ai fait une autre explication en forçant un lnn à sortir. Comme il y a n termes en lnn, ça me sort de la somme un NLNN qui vient de s'appliquer. Mais c'est la même idée dans l'autre sens. C'est juste on va dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que ça va pour ça ? Je remets la dernière page. On n'a pas fini. Enfin, on a quasiment fini. Donc la quantité qu'on avait, c'était du ln de 2n factoriel sur n puissance n factoriel puissance 1 sur n tend vers 2 ln de 2 moins 1.
faut pas oublier la dernière étape. Donc, 2n factoriel sur n puissance n factoriel, le tout à la puissance 1 sur n. Ça tend vers quoi quand n tend vers plus l'infini, Simon? Exactement. C'est juste ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça tend vers ça. Donc voilà un calcul assez classique qui fait intervenir les sommes de Riemann. Il y a des petits calculs d'intégrale qui étaient sympathiques au milieu. Vous pensez à faire une IPP, pensez à faire une division euclidienne ou à simplifier un quotient de deux polynômes. On a fini avec ça. Il est 10. Et on doit aller jusqu'à 25. J'ai encore un petit peu de temps pour expliquer des trucs. Ouais. Ok. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça cette année. Je vais quand même expliquer l'idée, mais pas trop détaillée. Je n'ai pas le temps de vous détailler toute la preuve pour une page entière, page 16 du poly, sur la convergence des sommes de Riemann. Je vais quand même juste expliquer en quelques minutes l'idée. Alors, je suis où, je suis là. L'idée, je repars sur le dessin de d'où vient la preuve de la convergence de l'intégrale. En fait, c'est assez bête. Oula. Si vous vous placez entre deux points tk et tk plus 1, un petit bout de l'intervalle, vous avez votre fonction f qui varie comme ça. Vous avez votre rectangle qui vaut cette valeur-là. Donc, ce que vous devez comparer pour montrer que c'est petit, en fait, comment on montre que quelque chose tend vers quelque chose d'autre? Ça, c'est un classique de maths. On montre que la différence des deux tend vers zéro. C'est un classique. Donc, on essaye non pas de contrôler la surface bleue par rapport à la noire. On va plutôt essayer de contrôler la petite surface jaune qui est là et montrer qu'elle est petite. Comment on fait? On doit donc comparer l'intégrale qui va de tk à tk plus 1 de f de t dt moins la surface bleue. Et la surface bleue, on a dit que c'était f de tk fois tk plus 1 moins tk. Et en fait, encore une fois, pour comparer en maths des choses comparables, l'idée pour faire ça, c'est de dire que f de tk moins tk plus 1 fois tk, c'est bien la surface bleue. Donc c'est bien une surface. Donc en fait, ça revient à comparer l'intégrale de tk à tk plus 1 de f de t dt moins l'intégrale de tk à tk plus 1, sauf qu'au lieu de faire varier une fonction, on a pris la constante f de tk dt. Qui revient à calculer l'intégrale de tk à tk plus 1 et contrôler l'erreur entre f de t moins f de tk. Alors, on sait faire des intégrales dès que la fonction est continue. Si vous regardez le haut de la preuve, je l'ai mis, mais on va le faire dans le cas particulier uniquement, où la fonction f est de classe C1 sur le segment. Pourquoi? Parce que, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je peux contrôler, non pas l'intégrale, mais la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale? Sans lire le poly, mais juste avec une idée du cours de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Je veux contrôler la quantité f de t moins f de tk. Ça doit vous faire penser à un théorème, normalement. Martin? Exactement. C'est le théorème des accroissements finis, et là, c'est plutôt l'inégalité, parce qu'on veut contrôler quel que soit t dans l'intervalle tk, tk plus 1. Donc, par inégalité des accroissements finis, ce terme-là, on va pouvoir dire qu'en valeur absolue, il est plus petit que m fois t moins tk. Et c'est ça l'idée de cette preuve. C'est le théorème des accroissements finis qui permet de prouver que cette quantité-là est petite. Comme elle est petite, on somme plein de petits termes, l'erreur totale reste petite. Et c'est ce qui fait la preuve. Donc elle est très détaillée, c'est une preuve que je trouve intéressante à vous faire bosser. J'ai pas envie de perdre trop de temps dessus là cette année, on a plein d'autres choses à faire encore en exo. Comme tout le monde fonce déjà vers la cantine, allez-y.
C'est la bordure. Ouais. La bordure, on va prendre du bas.